Reynaldo, Pedro. So again, congratulations for today's game and qualification to the round of 16. So we'd like to start with take some couple questions with Anissa, and then we will continue the press conference with coach. So for our viewers, please raise a hand if you have any question to Anissa. Let's start. Any question to Anissa? Question? Okay, yes. The lady from the back, please. Question to Anissa, please. فتح الوالي رسالة الأمة. هذه أنا أنيسة يعني الكوتش. بغيت غير نعرف يعني الإحساس ديالك كنتي يعني كنتي سامع في هذا التأهل في هذا التأهل. وكيفاش حسيتوا هذيك المشاعر بعد ما انتهت المباراة كان كل شيء ينتظر يعني النتيجة ديال مباراة كوريا الجنوبية وألمانيا. وأخيرا يعني سؤال أخير عندكم مواجهة ضد المنتخب الفرنسي بقيادة الناخب الوطني السابق للمنتخب المغربي هيرفي رونار، كيف ستشوفوا هذه المواجهة؟ Écoutez, je pense qu'on est comme tout le peuple marocain, on est super, super fiers, super contents, super, super heureuses. Il y a beaucoup d'émotions qui passent entre nous et qui vont encore passer ce soir. Et voilà, on est super contents. On dédie cette victoire à tout le peuple marocain et surtout à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et voilà, on est vraiment fiers d'avoir rendu tout le peuple marocain et on l'a fait tout ensemble. Après, pour ce qui est de mon but, c'est un but. Mais je vous avoue que là, il n'y a que la qualification qui est dans ma tête. Et si ça a contribué à, je suis contente. Et pour le fait qu'on joue contre la France, oui, c'est vrai, on va rencontrer Hervé Renard. Et voilà, c'est cool, c'est bien. Mais du coup, que ce soit la France ou une autre équipe, l'objectif pour nous, c'est juste de se concentrer sur le match. Okay, next question, please. Bonjour, je m'appelle Jocelyn de Charlie Social Press. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation après de la match? Parce que tu avais dû attendre le résultat de l'autre match. Et c'était une situation incroyable. Oui, oui, à la fin de notre match, on s'est toutes rassemblées avec le staff au milieu du terrain. On a posé le téléphone par terre et on a commencé à prier en attendant le résultat adverse. Et il s'avère qu'il y a eu un match nul et après on a explosé de joie, tout simplement. Next question. No question to Arisa? Okay. Thank you very much, Arisa. Congratulations. Thank you. So now let's start for the coach. Any question to the coach? Which pass? Microphone is coming. Ahmed Nazim, Mengoud. Coach, how do you feel? After the 16-0, you were able to watch 6 points. قدرت تجيبه. وشنا هي الطريقة اللي استخدمتيها من العادات باش تقدر تحفزهم توصلوا من هاد التمنية يا شوف. Qualification historique en huitième de finale, absolument fabuleuse, à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui nous a soutenus après cette défaite justement contre l'Allemagne. On l'a senti derrière nous, il était derrière nous, et ça nous a aussi donné de la force. On est le premier pays arabe à se qualifier pour ces huitièmes de finale, et c'est absolument exceptionnel. Voilà, c'est toute la force qu'ils nous ont donnée. Après,
déjà expliqué dans les précédentes conférences de presse. Le match de l'Allemagne est un match particulier. C'est une ouverture de Coupe du Monde contre une équipe qui est soi-disant programmée pour peut-être la gagner, avec énormément d'expérience. Et nous, on rentre dans cette compétition un peu sur la pointe des pieds pour la première fois, et il y a eu beaucoup d'émotions. Je pense que le résultat est aussi large parce que les émotions ont pris un peu le pas sur le foot. Mais on a remobilisé les joueuses très rapidement. On aura expliqué que c'était un mini-championnat et que c'était une phase de poule qui avait 3 matchs. Et que maintenant, il fallait préparer la Corée en leur montrant ce qui n'avait pas été contre l'Allemagne, en essayant de corriger certaines choses. Donc on a préparé la Corée en disant voilà, maintenant, pour se donner la chance d'exister, il nous faut 3 points. On est parti au travail, on a senti les choses très concernées et on a réussi à se donner le droit de faire une petite finale contre la Colombie en sachant que, on le savait bien, même si on battait la Colombie, on devait avoir un petit coup de pouce du destin. Agréablement surprise parce qu'elles ont compris, j'espère, qu'elles sont capables de rivaliser avec les meilleurs. Et j'espère que ce match sera que le début d'une belle aventure. Next question. Yes. Ahmed Kibir, Mokahi Papres, شكرا. المدرب المنتخب الكولومبي قال بان المنتخب المغربي نجح في غلق منافذ والدفاع كان يعني متوازن باش نستطيعوش المنتخب الكولومبي انه يسجل اهداف على المنتخب المغربي. واش المدرب بالنسبه للمقابله المقبله غادي يلعب نفس الخطه او غادي يغير، خصوصا انك تعرف المنتخب الفرنسي جيدا لانك ابن المدرسه الفرنسي، وشنو هي الكلمه ديال المنتخب الكوري اللي استطاع انه il y a une mukabala nidiya qui ساهمت حتى هي في التأهل ديالنا. شكرا. Sur ce qui est ce qu'on va mettre en place contre l'équipe de France, je vais être très honnête aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra déjà demain. Effectivement, quand on gagne le match et qu'on est 1-0 et que ça se termine chez nous et que c'est pas fini de l'autre côté, le plus stressant c'est quand on entend c'est fini, puis non, maintenant c'est pas fini, puis non, il reste un quart d'heure. Enfin, voilà, le plus stressant c'est ça en fait. Parce que pendant le match, très honnêtement, sur le banc, on n'a jamais posé de question de savoir ce que faisait l'Allemagne, pas l'Allemagne, on s'est occupé de nous. Déjà bien assez. De toute manière, pour pouvoir prétendre à un petit coup de pouce, il fallait qu'on gagne. Donc, quand le coup de sifflet a retenti, il y avait déjà une énorme fierté. Et puis après, il fallait attendre. Écoutez, on a attendu. Et puis la bonne nouvelle est arrivée. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle est assez incroyable parce qu'il y a
y a des surprises un peu à droite à gauche, il y a des pays, j'ai vu le match du Portugal contre les États-Unis qui était absolument fantastique, voilà. Voilà, et c'est ça en fait la magie du sport de haut niveau, c'est que rien n'est écrit à l'avance. Et je pense qu'on vient d'écrire cette page-là aussi, rien n'est écrit à l'avance. Après le premier match, je pense que pour 95% ou 98% des gens, c'était cuit. Ouais, le Maroc, ça va prendre des tôles, ça va perdre, ça va machin. Sauf pour nous. Sauf pour nous parce que le football, c'est une magie incroyable, c'est des émotions, c'est plein de choses et que il n'y a pas de science exacte. On l'a vu encore aujourd'hui, mais bien sûr qu'on est content de ce match nul. Bien au contraire, mais en tout cas, je pense que si